Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFR, on se retrouve pour une vidéo Clash Royale avec aujourd'hui du bouliste à l'honneur. On va essayer de trouver quelque chose qui tourne avec ses troupes et je me suis fait un petit deck. Alors je me suis inspiré d'une vidéo d'Elishui qu'on m'avait filé sur Line. Éventuellement, si ça vous intéresse, je vous renverrai dessus. Il utilisait une Tesla, il utilisait du boule de feu, électrocution. Moi j'ai fait des petites variantes, je suis resté sur un petit peu l'articulation que j'aimais bien avoir, et le reste c'est à peu près la même chose. Donc moi j'ai mis canon à la place, j'ai mis fléchette à la place, j'ai mis l'extracteur aussi. J'aime bien l'extracteur moi, mais bon, c'est vrai qu'après c'est un peu les tendances de chacun. Je vous présente cette version là, mais sinon il y a moyen de modifier des choses. On va faire je propose qu'on fasse quelques games ensemble et qu'on voit un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Allez, une première game contre Saros, Mega Royal, Italiano, como esta. Alors, là, une main de bébard plutôt pour poser un extracteur et puis un canon en cas de problème derrière si on se fait agresser. Voilà, donc on fait ça. On va faire ça d'ailleurs parce que j'ai pas envie de fléchette, c'est tout de suite ça. Je sais pas ce qu'il a derrière, il peut peut-être me mettre un baril ou autre chose, donc je préfère défendre comme ça. C'est pas grave, on temporise. Ok, donc là il envoie très bien. Donc là ce qu'on peut faire c'est que mon sorcier de glace il est un petit peu lent, le temps que le géant arrive on peut faire ça. Et éventuellement ce qu'on peut faire c'est à droite mettre le bouliste en défense, ça peut être vraiment pas mal. Et on peut carrément mettre la mousquetaire à gauche. Et par contre le canon va falloir le... Alors on va libérer avec les petits squelettes pour mettre le canon ici. Voilà, on est pas mal, vous avez le bouliste est full vie. Et on a bien clean. Du coup on va remettre un sorcier de glace devant qui peut... Ah, alors là par contre ça j'avais pas prévu le Zappy. Comment ça va se passer face à un Zappy? Oh ça tient, magnifique. La mousquetaire avec le sorcier de glace, ça a permis de temporiser suffisamment. Et là du coup on va se laisser faire, on va mettre les coups. Hein, on va laisser ce clean, ça c'est bien, c'est très bien. On va mettre ça là comme ça. On va le laisser, s'il veut mettre quelques coups avec ses petits minions. On va remettre le bouliste en défense contre la... On va mettre des petits squelettes derrière la sorcière. Voilà, comme ça va pas faire trop de dégâts, c'est parfait. Et alors attention, maintenant il y a le cochon qu'on va envoyer. Du coup, il sera obligé de défendre l'un des deux. Le cochon va être devant et le bouliste il pourra taper par derrière. Donc faut choisir. Et le cochon met ses coups. Et le bouliste aussi qui fait reculer. Et magnifique, vous avez vu les dégâts de zone là sur les petits gobelins. On est parfait là-dessus. Donc ça, c'est une game qui démarre très très bien. On va continuer à agresser sur le côté gauche tant qu'à faire. On peut même, ou alors on temporise avec un deuxième extracteur. On peut faire ça aussi. On va se mettre un bouliste à droite. On va mettre un canon par ici. Et ce qu'on peut faire... Alors là par contre je vais faire ça. Et je vais mettre... Hop, ouais, alors là par... Ouais, là par contre, là je suis un peu en... Non, je suis un peu nimp. Non, attendez, on va remettre un canon. Voilà, je voudrais juste qu'on tire sur... Voilà, on se débarrasse de Zappy, c'est fait. Dis donc, on peut encore mettre un... D'accord. On peut encore mettre un extracteur. On va remettre un bouliste à gauche. Sorcier de glace, ça serait bien aussi. L'autre côté, voilà. On va distraire, hop là, le Zappy avec des petits squelettes, je sais pas si vous avez vu. Et là, derrière, bon, on tape très bien, très bien, très très bien. Voilà, c'est parfait. C'est une belle défense. On va même... on va défendre encore à droite. Très bien, très bien. Jouer comme ça. Il n'y a aucun souci. C'est bien hein, le bouliste hein, pour défendre comme ça, après d'une tourelle et tout, avec quand il y a masse troupe terrestre. Ça fait ses dégâts, ça repousse, ça fait ses dégâts de zone, c'est parfait. Allez, une petite deuxième. Ah, le clan impitoyable. Ah, qui agresse tout de suite. Qui agresse tout de suite, ok. Ok, Bombolino. Bombolello. Ok, bon, ça va pas être facile. Ça va bien jouer là, je sens. Ça va bien jouer. Alors, on va mettre ça. On va mettre le bouliste. Non. Tu vas bien chercher un chasseur cette associé devant qui va ralentir. Voilà. Histoire de laisser mon bouliste tranquille. Est-ce qu'il va laisser faire? Oui. Tac. On va faire ça, fléchette, c'est pas trop tard. Oh, ça va, hein. ça va. Et barbare, c'est pas le super contre le bouliste. Hein. Hop là. C'est pas mal, il a dépensé pas mal. On a fait un petit peu de dégâts.
pouvoir rejouer cet extracteur, il va pouvoir mettre le canon en def. J'ai peur qu'il me sorte un cochon en plus, hein. Ou un géant royal peut-être, je sais pas, on va voir. Ah, carrément, un mortier. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est ça et ça. Ah ouais, il joue le mortier à l'ancienne. Du coup, on fait ce qu'on peut. J'avais pas encore les fléchettes, mais donc le sorcier de glace devrait s'en sortir. Très bien. Donc il joue mortier Tesla. C'est bon à savoir. On va placer ce canon maintenant. On va placer un nouveau extracteur. Un nouvel extracteur. Je suis concentré, hein. Je parle pas beaucoup, mais... On l'ignore ou pas? Je sais pas. On va remettre un canon. On va fléchette ici. Il va falloir fléchette, mais ça va être un peu tard. On va envoyer le cochon carrément à gauche, ce qui va peut-être pas target. Voilà. Ah bah oui, la fameuse Tesla, bien sûr. La fameuse Tesla. Et on va mettre le boulis là. Qui essaye de contrer avec les barbares, mais... Je pense que... Ah, purée. Toujours ces mignons hein, qui vont... c'est mignon. Ouais, c'est mignon qui vont me saouler. Alors, du coup, là, il les a peut-être pas me saouler pour ça. Et là, du coup... Ah, c'est bien. Ah, non, toujours. Eh, bah oui, ça va être un... On va essayer de tenir tête à 10 secondes de la fin. Là, sur... Avant l'overtime. Ça, pour défendre, c'est bien. Et... Voilà, très bien. Alors, j'ai bien placé ou pas ces fléchettes? Oui, ça va à peu près. Voilà, il tape sur mon bouliste. Parfait. On va remettre un deuxième. On va peut-être remettre un deuxième bouliste. Hop là. Et là, on va essayer de placer le cochon. Regardez, on va essayer de placer le cochon. Là, je pense qu'on commence à lui casser les pieds. Le canon, c'était peut-être pas nécessaire, mais ça me permet de libérer les fléchettes. Hop là, allez, vite, fléchettes, clac. Clac, magnifique, peut-être un coup... Ah oh, non, bien joué de sa part. Très bien joué de sa part. Il va tenir tête, il va tenir tête. Il y va la boule de feu. On y va encore avec ça. J'ai pas de fléchette. Je vais les libérer maintenant avec ces petits squelettes exprès. Comme ça, s'il vient me casser les pieds... Alors, il vient me casser les pieds ou pas? Voilà, il vient me casser les pieds. Du coup, je renchaîne avec... Hop, non, trop tard. Match nul, déception, parce que bon, c'est dur à passer, il est content. GG à toi. GG. Allez, c'est parti. Allez, faut qu'on trouve un... Faut que ça marche. Alors, main de départ, plutôt bien, hein. Plutôt bien. Donc on va jouer ça. Et on va se mettre un petit... Voilà. Rien du tout pour l'instant, voilà, ça dépend. T'agresses pas. Mineur, ok, t'agresses. Alors on va mettre sorcier de glace aussi, comme ça me permet d'aller chercher mon contre après. Alors. Non, on va peut-être pas te chercher maintenant le contre. Du coup, là, il va falloir que je libère ici et que je mette une mousquetaire. Parce que ce ballon peut faire très très mal. Et il a commencé à faire un petit peu mal. Mais c'est pas cata. Ok, très bien. Donc là, il va être obligé d'aussi défendre... Enfin, bouger, non, mais il peut défendre la mousquetaire. Ouais, il la défend moyennement avec ses trucs. Donc du coup, on va peut-être pouvoir jouer sur la droite. On va mettre ce bouliste. Et on va mettre le sorcier de glace. Pendant ce... Ah, d'accord. Sans mineur, décider de casser les pieds. On va mettre... Le petit squelette, c'était pas nécessaire, mais ça peut me libérer un canon en défense. Ça peut être pas mal. On va jouer le cochon pour voir ce qu'il fait. Si jamais il y a un souci, on a peut-être les fléchettes. Est-ce qu'on a besoin des fléchettes? Non. Non, on va pas. Voilà, on va laisser faire. C'est très bien. On a mis pas mal de coups quand même. On va jouer ça. On va jouer la mousquetaire s'il veut bien. Au moins pour son petit baby dragon. Voilà, c'est bien. Ça laisse un peu de vie au canon. Ça l'obligera à défendre aussi, logiquement, avec peut-être ces deux archers, sinon on refait la même. Non, voyons voir. 1, 2, ouais, il refait la même. Donc en plus, on prend la tourelle, c'est parfait.
Je vais la jouer comme ça, c'est comme ça. C'est parfait. Du coup, moi, je joue ici. Là, par contre, il me faudrait quelque chose. Ah, le canon, peut-être. Le canon, je peux peut-être refaire tourner. Non, ça va pas tourner. Trop tard. Eh ouais, c'est pas mal joué de sa part là. Il m'a bien descendu, donc on va avoir du mal à rester tout ce temps. Là, je vais jouer un bouliste au loin. Il met des petits archers à gauche. Alors, veux-tu déjà essayer de me jouer? Ah oui, il veut déjà jouer sur la gauche. Ou c'est pour faire diversion? Ah non, il joue carrément sur la gauche. Il est confiant, ça veut dire qu'il considère qu'à droite c'est fini quoi. Il considère qu'à droite c'est fini. C'est audacieux quand même. Hein. C'est audacieux, je trouve ça audacieux. On va voir. On va remettre un bouliste encore sur la droite. On va mettre ça. Est-ce qu'il tourne ou pas? Non, il tourne pas. Donc il peut... Non, il ne finira pas. Donc j'ai plutôt pas mal joué. Je vais mettre un extracteur au bon milieu. Et puis voilà, c'est fini. Bien joué. Oui, mais toi, moins bien. Tu n'auras pas dû... Je pensais que c'était une diversion, le coup de la gauche. Mais finalement, non. Donc voilà les amis, ce petit deck, il est sympathique. Si vous voulez le tester, dites-moi des nouvelles. Au moins, vous avez le bouliste, il a un mécanisme assez sympa. Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant. À voir ce qu'on peut faire d'autre avec. Là, j'ai utilisé comme ça. Et puis, je pense que je vais m'amuser encore à faire d'autres trucs. Il n'y a pas de bûcheron cette fois-ci. Bah écoutez, il y a pas mal de bûcherons dans les vidéos précédentes. Donc voilà. Dites-moi s'il y a d'autres choses qui vous intéressent. Je sais qu'il y en a qui me parlent de la Rennes 6, machin, truc, des decks un peu, truc. Mais là, j'aimerais quand même profiter des nouvelles cartes pour les découvrir ensemble en vidéo. Et voilà. Et après, on verra éventuellement ce qu'on peut faire sur des decks avec des cartes plus à l'ancienne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite, ciao ciao, bisous.